Coucou les copains, aujourd'hui je vais vous lire Choupi va au marché. Ce matin, c'est papa qui fait les courses. En écrivant sa liste, il demande à Choupi. Tu veux venir avec moi, mon chéri? Oui, papa, répond Choupi. Choupi suit papa à la boucherie. Papa commande un rôti. Choupi regarde le boucher découpait la viande avec son gros couteau. Choupi aime bien la machine qui coupe des tranches de jambon. Papa, tu sais que le jambon c'est fait avec les fesses du cochon? Demande Choupi en rigolant. Chez le marchand de fruits et légumes, papa choisit 1 kilo de pommes de terre et 1 botte de carottes. Choupi voudrait des radis, alors papa en prend aussi. Le marchand demande. Il vous faut autre chose? Papa achète des cerises et des pommes. En voyant l'air gourmand de Choupi, le marchand lui dit. Viens, prends cette fraise, mon petit. Devant la poissonnerie, Choupi tire la main de papa. Regarde, des crevettes et des crabes. Tu crois que le poissonnier les a pêchés? Non, il est allé les acheter sur un grand marché aux poissons et aux crustacés. Dans la crèmerie, Choupi observe les fromages. Le camembert est fait avec le lait de la vache, le roquefort avec le lait de la brebis et le fromage de chèvre avec le lait de la chèvre. Miam miam, se dit Choupi. Le caddie de papa commence à être lourd. Je crois qu'on peut rentrer maintenant. Ah non, on doit encore acheter du pain. Choupi et papa vont à la boulangerie. Tu vois, avec de la farine, de l'eau et de la levure, le boulanger fait une pâte qu'il pétrit bien. Il l'étale ensuite et la fait cuire dans un grand four. J'ai un peu faim, moi. Voilà un petit bout de pain, mon chéri. Devant la boutique de fleuriste, papa dit à Choupi. Tu veux choisir des fleurs pour maman? Oui, un gros bouquet de tulipes. D'accord, mais c'est toi qui le portes. En arrivant à la maison, Choupi donne les fleurs à maman. Maman, tu veux bien retourner faire les courses avec moi? Ah bon? Mais pourquoi? On a oublié d'acheter des bonbons. Au revoir et à bientôt.